So I want you to get something that was really beautiful, an image from Nick, like a beautiful young girl, like a Madonna from the Byzantine times, because we had the church and we wanted a very Byzantine looking girl. And then get the most grotesque thing that we would think people would relate to as grotesque and try to encapsulate that into the image. In a way, transcends the ugliness of the maggot and blends the two together. So what you do get is the most beautiful girl, but made out of the most grotesque thing. We wanted something that really just transcended that. We didn't want to put any protocol on the image. I don't believe in stereotyping culture by giving this image that we think is perfect. I mean, because I think beauty is really in the eye of the beholder. Yeah, very different. Quand vous approchez de la pièce, vous voyez au milieu de l'église une espèce de socle grand et grand de 2 mètres. Et en haut, vous voyez seulement une bande d'asticots. Et là, vous entendez que vous rentrez la musique de Björk qui ne semble pas harmonieux avec cette vision de cette chose médicale. En effet, l'esthétique du socle est basée sur les tue-mouches que vous voyez dans les bouchers, dans les magasins de nourriture. Donc il y a une incohérence quand vous rentrez dans l'église. Et puis, quand vous vous approchez de la pièce elle-même, vous vous apercevrez au-dessus de vous une miroir circulaire. Et là, dans la miroir, il y a la réflexion où on voit vraiment la figure de l'ange elle-même. See the maggots? But you can see them because they're always moving, so the face is always constantly moving and it's always changing, the colours are always changing, like time, like people's faces.